Alors, le qu'est-ce que c'est de cette semaine se présente dans une boîte. Une belle boîte. Bon, un peu moins j'ai ouvert, mais une belle boîte. Un bel écran avec un appareil à l'intérieur qui est monté sur des petites cales avec de l'étoffe pour amortir. Voilà. Bien calé. Voilà. Donc c'est un appareil Synanon. Qui tourne. Quand on tourne la molette là, ça fait tourner la tête ici, mais que la moitié. C'est gradué en degrés. 0 à 360. Donc il y a des meurtrières d'un côté. En face, à chaque fois, il y a une espèce de fente. Quand on regarde à travers, on a l'impression qu'il y a un fil vertical pour. Bon, j'ai une petite idée de ce que c'est encore. Il y a la même chose là, il y a une meurtrière ici, là. Multiples réglages. Quand on tourne la molette, ça tourne. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Pour en démonter de trop, je vois pas que ça tombe. Allez, on regarde ça de plus près. Alors, de plus près, ça donne ça. Une belle boîte. Donc, c'est un truc qui doit se transporter. Il y a une petite poignée sur le côté. Dedans, il y a ça. Est-ce que ça va avec? Je ne sais pas du tout. Une espèce de petite fiole. Il y aurait une fiole à mercure hein, pour peut-être mettre là, mettre de niveau. Je ne sais pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a dedans encore? Bon, tout va pas forcément dedans. Des pièces comme ça, non, ça c'est tasse sur l'étagère. Alors voilà. On voit bien que c'est gradué. Là j'ai 0, là j'ai 0. Les graduations sont deux fois plus petites. Ça veut dire que là je suis à 0, là il y a 10 et là il y a 20. Là il y a 20, là il y a 40. Et bien, en plus ça puisse c'est pas aligné à chaque fois, ça correspond pour un décalage. Donc je sais pas. Là, il y a des espèces de petites fentes. Là il y a des meurtrières. On peut voir à travers. Il y a celle-là aussi. Un appareil de visée, un appareil de géomètre. En dessous, il y a ça. Peut-être pour mettre sur quelque chose, c'est conique. Donc voilà. La petite molette qu'on tourne là pour faire tourner le. La tête, peut-être qu'on peut tourner aussi la main hein, si on veut, ça fait tourner la molette de toute façon, dedans il y a des engrenages, donc on voit pas bien. Voilà, donc j'ai une petite idée de ce que c'est, mais sans aucune certitude. Alors, et vous dire d'où je la sors, j'en sais rien, c'était dans un lot, j'ai eu tout ça en même temps. Donc voilà, ça sort de rien, de nulle part en fait. Sur sa petite boîte et on attend vos réponses. Allez, lâchez-vous, à mon avis ça va vite être trouvé, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Allez, au revoir, à la prochaine.